Salut, salut les amis, c'est Fut for Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi création d'équipe DCE live avec le défi duel flippant. En gros, c'est les grosses affiches, mais pour Halloween. Du coup, il y a 4 affiches à faire. Vous récupérez un pack joueur hors prime, tout est vendable bien entendu. Donc vous récupérez un pack joueur hors prime, vous récupérez un pack or, un pack jumbo or, un pack premium joueur mélangé et un pack prime joueur mélangé. On va commencer par vampire contre loup-garou. Pour ce défi là, il fallait 5 joueurs de même championnat maximum, 2 joueurs argent minimum, 2 joueurs rares minimum, un collectif à 14. Donc les amis, je suis parti dans le championnat d'Angleterre 4. J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, le maximum. Et le reste, ben, j'ai pris ce qu'il y avait. Tous les autres bronzes, c'est ce que j'avais dans mon club, tous ceux qui sont pas au bon poste. Et les rares, je suis allé les chercher, vu qu'il faut 2 argent. Honnêtement, les bronzes rares, ça coûte 400. Les argents rares, ça coûte 550, 600. Mais j'ai pris 2 argents rares à 600. Et après, tout le reste, c'est du bronze. Donc, 600 et 600, 1002 pour tout le reste. Soit je vous conseille moi de vider votre club de bronze, mais en gros il y a 4, 4, 8 et un 9, ça fait 1800 crédits, 1800 crédits et 1200 crédits, ça fait 3000 crédits. Allez, on commence avec Louis Jones, James Melado, Tom Clayton, Eduardo Pirozzi, César Pérez, Rocco Rios Novo, Jake Reeves, Ben Lederman, Suleiman Diaby, Jake Young, et on termine avec Isaac Kies-Tellin. En sous-équipe, on récupère notre pack or et on va continuer. Donc 3000 crédits pour le premier. On continue avec sorcière contre maison. Il fallait 4 joueurs de même pays minimum. Donc j'ai mis 4 joueurs roumains. Il fallait des joueurs argent minimum, donc les bronzes sont interdits. Il fallait 2 joueurs rares minimum, un collectif à 18. Pour les joueurs rares, les amis, les argents rares, c'est 600 crédits. Les or rares, c'est 600 crédits. Ne vous prenez pas la tête, prenez des or rares. Vous devez en avoir dans votre club. Si jamais vous n'en avez pas, vous prenez à 600 2 joueurs or rares. Donc je suis parti dans le championnat roumain et tous les argents, je les ai payés 400 à peu près. Ouais, il y en a que c'est 300, il y en a que c'est 250. Non, pardon, lui, je vous dis une bêtise, lui, vous prenez qui vous voulez. Voilà, du moment, vous prenez qui vous voulez. Si vous mettez vos joueurs au bon poste, donc là c'est pareil, vous prenez un championnat, n'importe lequel, vous mettez en argent, et vous voyez, je les ai tous achetés à 400, en moyenne. Donc on va dire qu'il y en a 8, 8 fois 4, 3002, plus 1002, ça fait 4004, plus 250, ça fait 4006. Environ 4600 crédits pour ce défi là. On commence avec Florine Jacob, Peter Abrahamson, Jonas Tam, Alexandru Benga, Ener Valencia, Lovro Zvek, Kyogo Furuhashi, Marius Brishag, Vito Omershoy Mistrati, Adam Nemec, et on termine avec Alexandru Tudori. On soumet l'équipe et on passe au troisième défi. On est sur du 7600 crédits pour l'instant. On continue avec Phantom contre Momi. Pour ce défi là, il fallait 3 clubs minimum, 5 joueurs d'un club maximum, 4 joueurs hors minimum, une note générale à 72, un collectif à 22. Je vous explique, j'ai pris 1, 2, 3 joueurs qui jouent dans le championnat écossais. Ils coûtent 600 crédits. J'ai pris 1, 2, 3, 4 joueurs dans le championnat d'Eurodivisé. Je les ai payés 600. À chaque fois, c'est 600. Donc, les 3, 6, 7 joueurs or à 600. 6 fois 7, 42, 4002, 4004, 4006, 4008, 5000. Pour ce défi-là. Donc, en gros, voilà, j'ai mis les 3 DC qui jouent dans le championnat Eurodivisé, j'ai mis le MC également. Il manquait un peu de collectif, je suis parti dans le championnat où il y avait des AT. Donc dans le championnat suédois, il y a 2 AT pour info. Dans le championnat norvégien, il y a que 1 AT, je vous le dis, et j'ai pas trouvé de MD ni de MG. Voilà. Donc
vous partez dans le championnat que vous voulez où il y a des AT. Et au final, ben voilà, pas besoin de la note. Enfin, vous pouvez prendre des bronzes, parce qu'au niveau de la note, on est large. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on commence avec Joe Hart, Jordan Tez, Bruno Martins Indy, Daly Blind, Johan Carlson, John Lundstram, Jordi Klasi, Edwin Becirovic, Adavan Rajamohan, Victor Backman, et on termine avec Alfredo Morelos. On soumet l'équipe et on passe au quatrième et dernier défi. Zombie contre cerveau. Ils sont partis loin quand même pour les SBC. Donc pour ce défi là, il fallait deux championnats minimum, trois joueurs de même club minimum, trois joueurs rares minimum, une note générale à 75, un collectif à 26. Donc je suis parti dans le championnat espagnol. J'ai pris dans le club de Mallorca, j'ai pris le DD, le MDC et le DG. Comme ça, on a nos trois joueurs du même club. Et après, tout ça, c'est du championnat espagnol, du championnat de Liga. Vous prenez vos trois joueurs rares. Et voilà. En gros, une fois que vous avez mis neuf joueurs au bon poste, ben, il vous manque deux postes. Il vous faut un deuxième championnat. Vous complétez avec ceux que vous avez dans votre club. Au niveau de la note, normalement, ça passe large. Vous voyez, j'ai deux joueurs à 64 et on est encore à 78, donc on est tranquille. Pour ce défi-là, les amis, moi, j'ai spammé à fond, hein. Vous voyez, 650, 700, 500, 700, je crois que j'ai payé 650, voilà. Vous voyez, donc on va dire, on fait une moyenne à 650, il y a 9 joueurs à 600, ça fait 5004, on va arrondir à 5006, 5008, 6000 crédits pour celui-là, et on est sur du 18000 en tout. Allez, c'est parti, on commence. J'ai oublié, il y a lui aussi qui joue à Mallorca, donc ça fait un joueur d'un club aussi. Pedrag Rajkovic, Pablo Maffeo, Marcao, Nacho Fernandez, John Costa, Idriss Ubaba, Nicolas Ruiz, mais vous prenez qui vous voulez, Giovanni Lo Celso, Francis Coquelin, Daniel Rojas, et là c'est pareil, vous prenez qui vous voulez. Et on termine avec Ezequiel Avila. On soumet l'équipe et on va aller ouvrir tous ces bons petits packs. Duel flippant est maintenant terminé. Les amis, dans la foulée, le renfort TOTW85+ sortira bien entendu. Allez, c'est parti, pack or. On va commencer par celui-là. On a de la merde. On va skip. Ça ne sert à rien. Voilà, on va faire ça comme ça, comme ça. Hop, 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 hop. Et voilà. Ça, c'est pour le premier SBC. Il nous a rien coûté, quasiment. Continue avec le pack Jumbo Or, maintenant. Toujours pas d'anime, toujours de la merde. Gardien. Bigelow. Ok. Pour l'instant, on n'est pas rentable, hein. Vous vous en doutez bien. Ça, ça dégage, ça aussi, ça va là-bas, ça là, ça je sais pas, je sais jamais trop si ça part. Hop, joueur prime, premium joueur mélangé, on va continuer avec celui-là. Toujours pas d'anime, on va skip, il est rare déjà, on n'a pas tout perdu. Hop, c'était roulis. On va continuer avec le pack prime joueur mélangé. J'espère qu'on aura quelque chose là. Une petite anime. Højbjerg de Tottenham. J'espère qu'on aura quelque chose dans le pack joueur hors prime. Parce que pour l'instant, on est loin d'être remboursé. Même si les joueurs argent et bronze rares commencent à coûter quelque chose. Enfin, ils coûtent aussi cher qu'un joueur or, donc ça va. Allez. Petite anime. Turc, MC, Inter, Kalanoglu. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Saliba derrière, Guiri. Ouais, c'est pas du tout ouf. Mais c'est pas grave. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant les amis, prenez bien soin de vous. Ciao et merci.